dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur le site Calista Capillaire. Donc vous l'aurez compris, c'est un site qui propose des produits capillaires. Donc on peut retrouver des shampoings, des après-shampoings, donc des conditionneurs, des sérums, des appareils électriques comme des lisseurs, des boucleurs, des tondeuses, des sèches-cheveux. On peut retrouver aussi des accessoires pour les cheveux et également des coffrets cadeaux au cas où si vous avez envie de vous faire un cadeau à un proche ou à quelqu'un que vous connaissez. Donc sur ce site, on a plusieurs onglets, plusieurs catégories. Donc le premier onglet, la première catégorie, c'est la catégorie marque. On va retrouver toutes les marques qui sont présentes sur le site. Donc vous avez la liste avec toutes les marques qui sont présentes. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous dire à peu près les marques que les youtubeuses aiment vraiment. Donc il y a Kérastase, L'Oréal, Redken, Tigi. Donc c'est vraiment les marques qui sont vraiment très appréciées sur la toile. Ensuite vous avez l'onglet, donc la catégorie produits, avec les produits classés en fait, donc les shampoings, les après-shampoings, conditionneurs, les produits pour le lissage, les produits pour la coloration, etc. etc. Vous avez la catégorie type de cheveux, donc là c'est pour trouver vraiment le produit qui vous correspond par rapport à votre type de cheveux. Donc moi pour choisir le produit que j'allais recevoir, j'ai utilisé cet onglet, cette catégorie pour pouvoir trouver vraiment un produit qui serait miraculeux entre guillemets. Et ma foi c'est vraiment une catégorie qui est vraiment très très bien pour trouver les produits qui nous correspondent par rapport à notre type de cheveux. Donc moi en fait j'ai choisi un produit de chez L'Oréal, c'est un sérum pour les cheveux très desséchés, très abîmés, qui ont des fourches, etc., qui ont vraiment les pointes en mauvais état. Ensuite, vous avez donc l'onglet accessoires pour trouver les accessoires capillaires et l'onglet coffret cadeau, comme je vous ai dit. Et en ce moment, il y a la catégorie donc solde, où on peut retrouver toutes les soldes sur le site, enfin qui sont disponibles sur le site, tous les produits soldés, etc. Donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi un sérum de chez L'Oréal, donc c'est la gamme Absolute Repair et c'est le Absolute Repair Cellular Unifibrine. Voilà, donc c'est ce produit-ci. Ça fait 50 ml et en fait c'est un sérum spécial pour les pointes très abîmées. Donc on peut le conserver 18 mois et vous pouvez voir que je m'en suis vraiment très très bien servi. J'ai vraiment pas hésité au niveau de la dose, j'ai été assez fort dessus parce que je voulais vraiment avoir des beaux cheveux vraiment plus abîmés. Et ma foi ce produit est juste miraculeux. C'est un produit qui coûte 14,30€. Alors si comme moi vous avez les pointes vraiment très abîmées, que vous avez les cheveux fins, parce que moi j'ai vraiment les cheveux très très fins, c'est vraiment le produit qu'il vous faut pour réparer vos cheveux. Ça les répare vraiment jusqu'à l'intérieur, on va dire, ça les répare au niveau de la cellule du cheveu. C'est vraiment un produit qui est très très bien parce que vous avez, quand vous l'appliquez, vous avez les cheveux super doux déjà, les cheveux qui sont soyeux, qui brillent. Vous allez voir ici, à mon avis, on va sûrement voir que mes cheveux ils sont vachement... vachement lumineux. Et au niveau des pointes, je sais pas si vous le verrez, mais les pointes elles sont vraiment plus abîmées, donc les pointes sont vraiment nourries. Et voilà, c'est vraiment le produit qu'il faut pour les cheveux abîmés. Donc j'ai aussi adoré l'odeur, ça sent très très bon. J'ai l'impression que ça sent... Après, la texture, elle est vraiment extraordinaire. C'est une texture un petit peu sérum, un petit peu huileuse. J'aime beaucoup. Ça n'a pas une texture non plus très grasse. Et sur le cheveu, on n'a pas ce côté gras qui va ressortir. Donc, j'aime beaucoup. C'est facile d'application. Ça fait vraiment briller les cheveux. Ce qui est bien aussi, c'est vraiment un sérum. Parce que, comme par exemple, si vous allez en supermarché, vous allez trouver des sérums. Genre, vous en avez présenté un de la marque 200, je pense. Et en fait c'était un sérum sous forme de crème et on n'a vraiment pas de résultat avec. Alors que là, avec les produits pro, on a vraiment du résultat et c'est des résultats qui sont durables. Donc voilà, c'est vraiment un produit et même les produits qu'ils proposent, sachant que c'est des produits professionnels, on sait qu'on va avoir du résultat. Donc après ça dépend du type de vos cheveux, etc. Mais moi je sais que ce produit là je le rachèterai parce qu'il est vraiment top génial. Les pointes sont vraiment nourries avec ce produit et en plus quand on est sorti de sa douche et qu'on l'a appliqué, on sent encore le produit plusieurs heures après. Là je sais que je l'ai mis sur mes pointes encore une fois ce matin après ma douche, sachant que moi je me lave les cheveux tous les jours. Bah, comme vous pouvez le voir, c'est assez rentable comme produit, ça fait environ un mois que j'utilise, voire un petit peu plus. Et on sent vraiment l'odeur encore... après plusieurs heures, l'odeur est encore sur les pointes, sur les cheveux. Donc moi je l'applique sur mes longueurs et pointes et franchement on sent l'odeur vraiment quelques heures après, enfin beaucoup d'heures après l'avoir appliqué. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi.
Et on a un très bon rapport qualité-prix, 14,30 €. Je pense que si vous l'achetez genre chez Shampoo ou dans des magasins enfin pas dans des magasins de coiffure, mais dans des salons de coiffure, vous allez surtaxer, ils vont vous le faire payer minimum 25 €. Alors que là, on a un site qui nous propose à vraiment des prix plus attractifs. Voilà. Je crois que c'est même limite le même prix chez le grossiste, ça doit être vraiment presque pareil. C'est vraiment pas cher et enfin c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, on a vraiment un super bon rapport qualité-prix et ce sont des produits professionnels donc on a vraiment des résultats. Donc j'ai vraiment été super convaincue par ce produit et je vous le conseille si vous avez vraiment les pointes desséchées, les pointes super abîmées, que vous savez plus quoi faire, parce que moi en fait je faisais des masques et tout donc sur le coup ça allait, mais après dès que j'en faisais plus, enfin j'en faisais une fois par semaine, mais au fil de la semaine je voyais que mes cheveux étaient encore une fois super abîmés et que ça ne suffisait plus. Donc en fait ce que je fais c'est que je combine mon huile le petit marseillais que j'applique le soir une à deux fois par semaine et ça je le mets vraiment tous les jours dès que j'ai fini ma douche et que j'ai essoré mes cheveux. C'est vraiment un produit que je vous conseille. Donc je vous mettrai le lien pour trouver ce produit dans la barre d'infos bien entendu. Et maintenant je vais vous montrer les petits échantillons que j'avais reçus et je vais vous en parler vite fait. Donc j'ai tout d'abord testé le shampoing Bachroma Riche Système Aquaionique de chez Kérastase. C'est pour les cheveux colorés, sensibilisés ou méchés. Donc c'est ce produit-là. Ça sentait très très bon, c'était une odeur très florale et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que ça donnait vraiment les cheveux très lumineux. On avait vraiment un côté, comment dire, un côté lumineux, on avait vraiment de la lumière sur les cheveux. C'était vraiment comme un effet miroir en fait. C'était vraiment. Je sais plus comment expliquer. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais voilà. Les cheveux étaient soyeux. On avait vraiment ce côté reflet en fait dans les cheveux que j'aime beaucoup avoir. Donc voilà, vraiment un côté très lumineux que j'ai beaucoup aimé. L'odeur était très agréable et c'est un produit dont j'ai beaucoup aimé la texture et aussi son application parce que ça moussait vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était un échantillon qui faisait 10 ml. Ensuite, j'ai eu deux autres échantillons de la même marque. Donc là, c'était la marque Davins. Donc j'ai reçu un shampoing qui est le Natural Tech Wellbeing Shampoo. Voilà, donc je trouve que c'est assez marrant en fait les petits dessins qu'on a dessus. C'est un canard. Donc là c'était un shampoing hydratant pour les cheveux sûrement secs parce que c'est pas marqué en français mais je vois qu'il est marqué hydrating donc à mon avis ça devait être un shampoing hydratant. Donc j'ai bien aimé ce produit par rapport à sa texture mais ce que j'ai pas aimé, enfin j'ai aimé mais en même temps je veux dire c'est pas non plus une odeur que j'ai super adorée, bah justement c'est son odeur. C'est une odeur assez spéciale mais c'est une odeur qui n'est pas trop désagréable non plus. C'est pas une odeur qui m'a dégoûtée, c'est pas une odeur que j'ai trouvée désagréable mais c'est une odeur assez spéciale qui peut pas plaire à tout le monde. Alors ça sent plus trop la petite dose d'essai. Mais voilà, c'était vraiment l'odeur que je pense que tout le monde ne peut pas apprécier. Après, ça mousse très très bien, l'odeur se répand dans la douche. Donc moi, ça va, j'ai pas non plus détesté l'odeur. Donc ça me dérangeait pas de la sentir dans toute ma salle de bain. Et il faut peu de produits aussi. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai pu l'utiliser 3 fois. Donc C'est ensuite, il est déjà facile pas à mal. masser. Donc voilà, vraiment. Bon, il y avait juste l'odeur qui peut être assez désagréable pour certaines personnes. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Donc ce produit-là faisait 12 ml, enfin cette dose d'essai-là faisait 12 ml. Ensuite j'ai eu donc l'après-shampoing qui était le Natural Tech Nourishing Vegetarian Miracle Conditioner. Donc là c'était l'après-shampoing. Donc là c'était pour hydrater encore une fois, pour avoir des cheveux resplendissants, je pense. Donc voilà. Et donc là pareil ça fait 12 ml. Alors pour cet après-shampoing, pareil, il fallait peu de produits, j'ai pu utiliser l'odeur est Deux, trois spéciale fois. également, mais c'est pas une odeur qui est très désagréable, donc voilà, j'ai bien aimé. Et au niveau de l'odeur des deux produits, donc le shampoing et l'après-shampoing de cette même marque, j'ai préféré l'odeur de l'après-shampoing qui était Et un et ce petit peu plus que doux. j'ai adoré, c'est qu'on a vraiment les cheveux très très doux, donc voilà. Un bon produit, je pense, pour les personnes qui ne seraient pas dérangées par l'odeur, parce que je sais que ça peut rebuter certaines personnes, mais au niveau de l'efficacité, au niveau du toucher des cheveux, c'était vraiment, on avait vraiment un côté soyeux, un côté très doux, donc voilà. Donc J'ai bien voilà aimé. Ma revue sur le site Calista et ma petite revue sur le sérum L'Oréal que j'ai vraiment adoré. Voilà, bah je pense que c'est tout. J'espère que ma petite revue vous aura plu. J'espère que ça vous aidera si jamais vous avez besoin de commander sur le site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser
en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette revue, à mettre vos avis en commentaire, à me dire vos questions si vous en avez par rapport au site ou par rapport à certains produits. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo favorite du mois de juin. Bye bye!